À la source du canal coule une rivière. Et cette rivière s'appelle l'Alzo. C'est ici, au sommet de la montagne Noire, à l'extrême sud du massif central, que tout débute. C'est ici, à la prise d'Alzo, dans un décor qui tient du Vosgien ou de l'Autrichien, que naît paradoxalement le canal du Midi. Pour aller alimenter le bief de partage, c'est-à-dire le point le plus haut du canal, à Norouz, Riquet et les bâtisseurs du XVIIe siècle ont imaginé de regrouper une par une toutes ces rivières fraîches qui font de la montagne Noire un véritable château d'eau. Longtemps, le précieux liquide, rassemblé en une rigole virevoltante, va hésiter entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est qu'il lui faut venir se déverser sur l'exacte ligne de partage des eaux, à Norouz, afin de dégouliner sur les deux versants à la fois. Sur 30 km de la prise d'Alzo jusqu'aux environs de la petite ville de Revel, la rigole de la montagne va suivre son chemin, dérivé vers l'étroite vallée du Sor, ou via la spectaculaire percée des Camazes dans le bassin de Saint-Ferréol. À Saint-Ferréol fut édifié, à partir de 1667, le plus grand barrage masse d'Europe. Rendez-vous compte, 6 millions de mètres cubes, la contenance du canal du Midi. Par la rigole de la plaine, ce trésor liquide va sillonner la plaine, saluer Saint-Félix de Lauragais au pieux souvenir cathare. Vite, l'eau a rendez-vous à Norouz.